et nèg yo occupé espace l'hôpital général, yo volé en pile matériel dans l'hôpital là et yo utilisé li dans cas d'échange yo te gagné avec la police au niveau du centre-ville. Un peu plus tard dans l'après-midi, gagné le collège Saint-Martial, petit séminaire, une école qui vieille de plus de 150 ans, une des plus anciennes écoles qui gagne dans le pays. T'apral fait face à assaut gang yo puisque nèg yo té investi espace l'école là. Yo boulé, yo pillé, yo saccagé si vous voulez. Et jusqu'à très tard dans la journée du lundi, té gagné des monde au niveau du personnel de l'établissement scolaire qui était en difficulté, parmi eux qui gagné des prêtres. Bien qu'un peu plus tard, donc yo t'apral quand même gagne chance évacuer yo. Mais gagné une grosse bibliothèque au niveau de l'école là qui vandaliser, qui piller, etc. Et parlant de bibliothèque, n'était-ce pas la vigilance des forces de l'ordre, n'était-ce pas la vigilance de nos vaillants policiers? Donc je dis à nous t'ai droit pas gagner bibliothèque nationale encore puisque nous avons fait tentative pour te passer li à l'infinitif. Au niveau de Pétionville, tu as vraiment gagné des combats qui engagés entre la police avec des nègres qui lourdement armés. Parfois au probable à la patte d'Osto, au niveau de Delma 30, il y a même signalé gain monde qui perdu la vie. Donc c'est pour vous dire que journée 1er avril là, même temps, n'est pas de bon nous comme haïtiens comme citoyens pour nous faire petit jouet de poisson d'avril. Ou tellement ça que t'as dit, ça que t'as fait yo, c'est des bagages qui étaient bien réels. Même au niveau politique, pas de poisson d'avril, puisque tu as gagné le conseil des ministres qui t'a annoncé. Eh bien, comme annoncé, le conseil a été arrivé quand même, fait. Et il était question, j'en ai tout te connaître, pour statuer sur l'avenir CPA, un CP qui prend forme, conseil présidentiel qui prend forme. Après le conseil ministériel, tu as gagné un communiqué du gouvernement et si nous croyons ça qui dit dans le document officiel ça qui sorti bon côté gouvernement démissionnaire là, si nous avons dit comme ça, processus pour mettre campé ou bien pour nommer jusqu'à installer sous le conseil présidentiel là, il suppose on a regardé ensemble qui ça qui dit dans le communiqué gouvernement et du coup nous comprendre pour qui ça nous parler de processus là qui est même suppose là dans communiqué là il y a Fondao mette la question de comment le prendre naissance etc jusqu'à jodi à là côté les statut démissionnaire là même conseil des ministres ça n'a pas allé qui gagne autorité sous le bay tête autorité pour nommer membre qui t'a doué fait partie du conseil présidentiel là Fondao mette en question au regard des prescrits constitutionnels. Parce que, l'éclair au niveau de la Constitution, il dit bon gens, conseil des ministres l'y configuré, bon gens l'y déroulé, bon monde qui préside. On parle quand même du président de la République. Donc, je dis à la, avec absence président de la République, avec un premier ministre qui était à la tête du pays pendant près de 31 mois, une toute première, hein, dans l'histoire politique de ce pays, notamment pendant ces 30 dernières années. Donc, si je dis à nous voulons parler de constitution, nous voulons poser problème constitutionnel, Fonta remettre en question configuration n'y là dans mode de pouvoir qu'a mené bak pays jusqu'à minute moi-même avec vous à parler là. Parce que li pas make sense comme si l'en vle nous prend constitution nous mette en bas lumière, l'en pas vle tout nous décider nous mette l'en fait noir. Et me passe si c'est pas hypocrisie, c'est démagogie qui trop pour nous. Et me passe ça qui a passé au là, ben nous opportunité au moins pour nous clair avec conscience nous. Parce que si c'est de constitution, nous t'as parlé dès le départ. En pile l'autre monde dit déjà pas des moins des juristes de renom, des juristes de renom, même dans initiative car comme nous même rentré, qui t'a abouti avec cette question de conseil présidentiel, collège présidentiel, comme vous voulez l'appeler.
Donc depuis l'année de prendre route ça, nous t'es d'accord quand même accepter que bagaille ou les constitutions. Bon, excusez-moi, je me dis bagaille pas pour minimiser, mais question constitution nous pas là-dedans du tout. Donc si je dis à la nous voulons aller constitution, hein, donc faut quand même nous t'a rester cohérent avec tête nous. Et là m'a parlé avec tout acteur généralement quelconque. Que c'est monsieur dame qui dans gouvernement démissionnaire là. Que c'est monsieur dame qui dans processus pour mettre sous pied conseil présidentiel là, que c'est l'autre parti autour qui pas forcément dans processus là qui en face là. Guerrier du seul Adjani Oximable Saint-Fleur. Jean Guerrier était dit hier, nous plus comprendre exigence accord politique là. Parce que non, situation exceptionnelle, tant que situation n'a pas vivre là, il est presque évident, faut gagner quand même un protocole d'accord entre différents protagonistes dans la crise là, ou dit, comme situation exceptionnelle, eh bien, exceptionnellement tout, mais comment nous voulons aborder? Et c'est une raison qui fait que l'on a parlé de ticras légitimité. Docteur Ariel Henry et équipe l'été gagnée entre 2022 et 2023, nous t'es quand même, malgré toute réserve, moi personnellement, nous t'es gagné sous document, mais nous t'es quand même référé à accord qui t'es signé en décembre 2022. Et c'est sur la base même de cet accord que des mouns, tant qu'on l'autre moun en d'un pays, t'es d'accord que le 7 février, mouns a eu pas forcément en d'un en structure qui, au niveau de ce conseil présidentiel en gestation, si nous avons dit le comme ça. C'est eux, pour exemple Montana, même capable prendre le tout pour le collectif 30 janvier. Conseil de parti politique soit regarder dans genèse collectif 30 janvier qui était adhéré à la question, jodi a qui pas dans collectif 30 janvier. Et ça fait gonzan mi te font texte, m'a vraiment rappelé mi non pian ba texte là qui te dit que faut que chaque grain groupement, chaque regroupement qui est dedans, yo dit la République clairement, mais qui est-ce qui fait partie de yo? Peut-être un pile monde de minimiser. Ça a mis en dédié, mais il y a tout sens li. Collectif 30 janvier, 1, 2, 3, 4 pour dire, mais qui est-ce qui l'a dedans? Montana, 1, 2, 3, 4 pour dire, mais qui est-ce qui l'a dedans? Red, aider, compromis historique, 1, 2, 3, 4 pour dire, mais qui est-ce qui l'a dedans? Accord 21 décembre, de même. Comme, Famille Lavalas avec petite Desalines eux-mêmes yo presque et campé en grain 5. OK, en dans CPA. L'était expliqué en parlant de amis que t'ai fait pour ça, l'était expliqué que pour ne pas arriver dans situation côté gagné deux partis qui fait partie en même temps de deux groupements. C'est-à-dire au cas je non parti qui soit dans Montana et parallèlement l'état dans collectif 30 janvier ou bien ta jeune dans 30 janvier parallèlement l'état dans Red etc. Bref, nous même c'est pas sous ça nous voulons capitaliser matin, nous voulons capitaliser sur une série de partis, nous toujours été dans cadre d'accord politique là, une série de partis qui pas forcément ni dans Red, qui pas forcément ni dans ED, qui pas forcément ni dans compromis historique, ni dans petite Desalines, ni dans Lavalas, ni dans Montana. Jodia qui juste pas dans question CPA. Donc, est-ce que qu'on y a là n'a pas le droit accord politique pour moun ki an dans CPA et puis nous ignorer ensemble de l'autre parti qui au même yo pas nan question CPA, on prend des partis tant qu'on unir, on prend un jeune parti politique tant qu'on alliance pour une société sans exclusion assez qui ont paquet gotoyer politique là dedans tout, des anciens députés, des anciens hauts fonctionnaires de l'état jodia, on prend équipe Guy Philippe là je dis à réveil national, nous capable citer de l'autre partie de l'autre organisation qui eux même yo pas dans danser collé avec CPA. Donc je dis à soit parler de accord politique, est-ce que qu'on y a là ou font accord politique sectaire, c'est-à-dire cap juste concerner moun CPO et puis ou prend toute l'autre partie yo ou ignorer yo ou mettre yo dehors ou pas tenir compte de yo etc. Donc si y a le campé en face ou y a l'organisé ou y a l'entendu, nous capable partir là pour un autre épisode dans crise là. Nous capable partir pour un autre épisode dans crise là. Même dans question gouvernement d'unité nationale
moins ouais yo évoqué au niveau du communiqué de membres désignés pour le conseil présidentiel là. Mais sous garder projet décret, yo dit c'est chaque grain groupe qui gagne représentant yo en dans conseil présidentiel là cap voyer un premier ministre abri. C'est-à-dire cap voyer un moun dans sept groupes qui représentent dedans chaque avoué un monde comme premier ministre. C'est ça qui dit. Eh bien, ça Ariel Henry te gagné comme mandat contenu et duré, donc il était kaba. Et c'est accord politique ça même, yo té et prend comme boussole, yo té entendu yo souli, yo publié dans les colonnes du journal Le Moniteur et cetera. Mais c'est ça qui fait dans toute exigence que gouvernement ça a fait là pour capable river nommer membres désignés pour conseil présidentiel là, y a une exigence qui gagne tout sens li, et qui gagne place li sous table à notre avis, c'est cette question d'accord politique. Et dès le départ nous même nous t'ai dit ça, c'est Montana avec Alilio qui t'ai fait exigence là, nous même nous t'ai simplement questionné timing là. Nous t'ai questionné momentum là. Mais nous t'ai dit l'idée t'ai tout sens li. Et jusqu'à aujourd'hui encore nous croyons que ou pas qu'à faire rien ou pas qu'à faire rien là dans conjoncture politique ça ni là sans un accord un véritable accord. Et parlant d'accord aujourd'hui a fond clair accord entre qui est avec qui est pour ça me dit faut que nous clair parce que si n'a pas tenu compte de ça qui dit en un projet de décret portant création, fonctionnement, souveraine organisation du conseil présidentiel. Il a presque parlé des groupes qui représentaient en un conseil présidentiel là. Et même dans le communiqué gouvernement, il a dit, il a t'appelé écrit comme pour demander accord politique là, mais on dit accord politique entre les différents acteurs ou bien différentes parties qui représentaient au niveau du conseil présidentiel là. Et moi c'est là bon problème grave si ne pas gérer si ce cas conseil est arrivé passé qui capable fatal pour nous autres sur le plan politique. On bon structure tant que Montana. Les Montana t'est fait former. Les Montana te fait mettre sous pied, les accords Montana te fait prend, rédiger si vous voulez, signer. Te gagne une quantité de partis politiques, te gagne une quantité d'organisations sociopolitiques ou bien d'organisations de la société civile, te gagne une quantité de personnalités qui tiennent dans Montana. Mais en août 2021, pour arriver jusqu'à processus CPA là, gon paquet moun ki rive kite Montana. Soit yo rejoin de l'autre structure ou bien yo aller yo fait cavalier seul. Et jodi a la urgence a te prévoit qu'il est même a bien pour le présider au conseil des ministres et qu'au terme de ce conseil des ministres t'après le gagner on va arrêter que sorti pour nommer différents membres conseil là et puis publié dans les colonnes du journal Le Moniteur, etc. Bien que y ait des mouns qui pas quoi dans des machins qui carrément étaient opposés avec l'idée pour ces gouvernements démissionnaires là qui nommaient autorité hiérarchique ou bien qui nommaient conseil présidentiel là tout carrément, mais à ce qu'il paraît la majorité a tranché et CARICOM voulait le Ariel Henry quand même. C'est ça que forêt depuis vendredi information des étapes circulées pour dire dans vendredi soir, conseil des ministres l'a fait, il a statué sous question CPA, il a publié non ou bien il a nommé et d'ici cette semaine soit ce lundi ou bien mardi, conseil a été doué nommé, été doué installé guerrier de chef. Mais information qui vient évoluer dans toute sa table du guerrier fait comprendre que si avant de parler de conseil là qui dans l'impasse, eh bien, je dis, c'est la nomination et l'installation du conseil qui dans l'impasse. Pour qui ça? Jusqu'à
vendredi, tout le monde croit que c'est plein une simple formalité, puisque c'est ça que tu as déjà envisagé. Le conseil des ministres a fait, il a statué sous question, hein, et puis il a pris une décision sans aucune objection pour avancer. Tout le monde est présent. Même dans l'opinion, il y a des gens qui sont au niveau du conseil, les membres désignés sont présents. Il y a des gens qui parlent avec eux, qui proches, les membres désignés, ils disent ah, d'ici lundi, la mardi, le conseil a installé. Eh bien, la grande surprise, guerrier, général de tout chacun, le conseil des ministres, ou bien gouvernement démissionnel a dit, baronia. Premier problème que posé, guerrier, il dit certes, il a joué non. Moun yo kay comme voye ba yo via premier ministre Ariel Henry, mais yo te pose un problème, yo di après ça pa gen l'autre document encore. Par exemple, le projet, ça t'a le projet décret, ça t'a le cadre légal qui t'a dû régir fonctionnement conseil présidentiel là. Pas de gagnel, pas de gagnel, OK. Et yo di sur cette base guerrier, yo pa ka al nommer moun qui va faire partie conseil présidentiel le guerrier. C'est compréhensible quand même. Et aller plus loin pour dire yo pas gagné provision légale pour yo faire ça. Voilà, elle a dit problème là. Yo pas gagné provision légale qui pour yo faire ça. Provision légale y a cherché là. Y a c'est ça, oui, conseil l'a dit, c'est pas moi même non qui a inventé pas. Il y a même yo légal. Probablement oui. OK. Donc automatiquement yo dit carré comme ça carré comme qu'on y a là acheminer ba yo un document nous gen draft là nous pral di moun yo ki sak la dans essentiellement ki yo considéré comme un projet décret si nga rele le comme ça et c'est lui même yo pral considérer comme cadre légal souvelé pour rendre fonctionnel le conseil présidentiel an gade ki ça qui dit en substance dans document ça madame monsieur et nous disposer de draft là très rapidement m'a demandé un petit patience. Voilà dans le document ça guerrier qui titré document cadre portant création organisation et fonctionnement du conseil présidentiel dans chapitre 1 qui traite constitution et exercice pouvoir exécutif là pendant période intérimaire là bon section A qui traite exercice pouvoir exécutif là en son article 1er pouvoir exécutif là dans transition ça c'est deux entités qui exercent, c'est le conseil présidentiel de la transition le CP, le gouvernement de la transition qui a bien en tête li un premier ministre garçon ou un premier ministre femme. Dans section B a yo parlé de mission à composition conseil présidentiel là. Là n'a li article 2 a conseil présidentiel là l'a bien pour assurer présidence transition hein. L'a bien là dans j'en tout connaît 9 conseillers. Parmi eux, il y a bien 7 membres qui sont désignés par les entités suivantes. Accord du 30 août 2021, dit Montana. Collectif des partis politiques du 30 janvier 2023. Accord du 21 décembre 2022. Parti Famille Lavalas. Plateforme Résistance Démocratique Red ED. Et le regroupement politique Compromis Historique. Parti politique Petite Dessalines. Et puis le secteur privé des affaires. En deux. Et puis, il y a bien deux observateurs qui ont même pas capable de voter. Ces structures qui désignent Mounio bien représentant, yo, la société civile, et puis REN. Dans le chapitre 2, document guerrier, on a rappelé son draft. Je ne vais pas modifier à n'importe moment, nous avons un document final là. Pour ça, concerne les présidents, conseil là. Dans l'article 3, Mambio, dans le conseil présidentiel là, après au fin installé, il y a bien pour procéder à l'élection en président dans le cadre de majorité simple. Et si ça t'arrive dans le vote là, il y a une égalité, il y a un deuxième scrutin qui est organisé. Et s'il est toujours impossible de départager voix au guerrier du seul, il y a un tirage au sort parmi deux candidats qui sont en liste. Il y a un petit papier, si son raf. Il y a un petit papier, mon a choisi ça qui est sorti. Et puis, il y a ajouté guerrier pour dire. Dans l'article 3-1, pour capable élu président ou bien président du conseil présidentiel, là, conformément à l'article 735.1 Constitution 1987, là, 1. Faut que c'est haïtien d'origine,
faut pas jamais renoncer à nationalité haïtienne nous, il faut pas gagner aucune autre nationalité dans moment installation conseil présidentiel là. Deux, faut qu'on gagne 35 ans accompli. Trois, faut jouir de tout droit civil et politique, il faut pas jamais condamner à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun. Faut ses propriétaires en Haïti dont immeuble au moins, et faut qu'on gagne un pays en résidence habituelle. Faut qu'on réside dans le pays depuis le cabinet ministériel là. Article 6.2. Chaque secteur qui veut constituer conseil présidentiel là a désigné un premier ministrable. Il a soumettre lui by conseil présidentiel là. Et dans liste ça, conseil présidentiel là a bien pour choisir un premier ministre à la majorité absolue. En cas d'égalité des voix, a un second tour qu'a organisé. Et si second tour là pas permettre que vous départagez voyo, a un troisième tour qu'a organisé. Et en cas d'égalité toujours, il y a tout simplement font tirage au sort pour choisir premier ministre. C'est pas moi qui parle guerrier, c'est document cadre qui a régi fonctionnement CPA. Alors là c'est draft la guerre. Et n'a pas les bails sérieux. Dans article 6.3 document ça. Conseil présidentiel là a assuré le chef gouvernement ak ministre qui choisit yo répond à critères ça nous pral citer là. 1. Forcé haïtien d'origine. Il ne faut pas jamais renoncer à la nationalité. 2. Il faut jouir de droit civil et politique. Il ne faut pas jamais condamner à une peine afflictive et infamante. 3. Il faut que ses propriétaires en Haïti ou bien exercent en profession. 4. Il faut que résider dans le pays depuis 5 et dernière année, ça a eu un de l'autre. 5. Il faut que recevoir de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rapport favorable et bien gestion si vous êtes comptable des deniers public. Article 7, très rapidement, conseil présidentiel là, papka mette fin à fonction chef gouvernement que si c'est pas que si c'est chef gouvernement lui-même qui présentait démission, guerrier du seul. Et en cas de présomption grave d'agissement criminel et de corruption dûment constaté ou sur présentation de dossier document de déficit de gouvernance par organe de contrôle, il y a bien pour mettre en place ça. Monde faut camper sur article 7 ça. Je dis conseil là pas gain droit révoquer un premier ministre yo nommé. OK. Sauf si c'est premier ministre là qui lui-même présenter démission ou bien organe de contrôle là lui-même les constater gagner des présomptions graves dans action premier ministre qui gain rapport avec agissement criminel ou bien corruption. OK. Mais conseil là pas décider le dire pas rien mais faut premier ministre ça. Avis on monde premier ministre là pendant période d'intérim là sous pas rentrer dans logique criminelle, dans logique corruption et qui gagne flagrance, m'a bon menti ou là jusqu'à ce que transition soit fini. Article 8 là dans situation pour le démissionner. Président de la République pas gagne droit ça tout. Il a mettre dans situation pour le démissionner. On a lit rapidement, c'est pas important pour nous dire matin. On a lit rapidement dans article 8 là. Conseil présidentiel là c'est lui-même et quatre garants indépendance nationale là avec intégrité territoire. Article 9, conseil présidentiel là a négocié tout traité, toute convention avec accord international. Président conseil a bien pour le signer. Article 10, conseil présidentiel là et a bien pour l'accréditer ambassadeur et envoyé extraordinaire auprès des puissances étrangères, après recevoir lettre de créance ambassadeur puissance étrangère et puis a accordé exéquature au consul. Article 11 l'a dit, conseil présidentiel là et déclarer la guerre, capable de déclarer la guerre même s'il le négocier et puis signer un traité de paix avec validation du conseil des ministres. Article 12 là, conseil présidentiel là a nommé par arrêté pris en conseil des ministres commandant chef des forces armées, commandant chef de la police, oh, il y a les changer LB, les ambassadeurs et les consuls généraux. Article 13 là, conseil présidentiel, conseil présidentiel là, bien pour nommer par arrêté prise en conseil des ministres, directeur général de l'administration publique là, délégué et vice-délégué des départements et des arrondissements, conseil des agents intérimaires des communes et des sections communales. Il y a bien pour nommer également les conseils d'administration des organismes autonomes. Article 14 là, dit guerrier, conseil présidentiel là a procédé à nomination ça yo. Conseil électoral provisoire de 9 membres selon les critères prévus de la Constitution de 1987 dans son article 289. Comité de pilotage, conférence nationale là sous proposition Premier ministre, commission
pour réforme constitutionnelle à commission vérité et justice sous proposition premier ministre en consultation avec les organisations de droits humains nationales et internationales. Article 15, conseil présidentiel là a gagné pour faire sceller décret et décret avec sceau république là et puis promulguer dans les délais prescrits par la constitution. Article 16 là, conseil présidentiel là a veillé à exécution des décisions judiciaires conformément à la loi. Article 17, toute attribution présidentielle qui pas spécifiée dans décret ça, eh bien, il a exercé souvelé à la majorité simple par les membres du conseil présidentiel. Chapitre 6 dans projet décret ça guerrier, article 18, conseil présidentiel là a bien siégé dans palais national. 18.1, décision conseil présidentiel transition, il a prend par consensus ou bien à défaut par vote majoritaire sur le principe un membre une voix. Article 18.2, en cas d'égalité de voix consécutive à une absence ou à une abstention, et voix président l'a compté pour deux. Article 18.3, en cas de vote dans l'élection qui a bien pour organiser en un pays très prochainement. Article 3.2, deux membres observateurs dans le conseil présidentiel, là c'est eux-mêmes qui a bien responsabilité pour organiser l'élection président conseil là et qui a bien tout pour étudier éligibilité candidat. Article 3.3, président conseil présidentiel là c'est lui-même cap chef nominal force l'armée et li pap ka jam commander en personne. Toutefois décision qui gen pour avec force l'armée il a prend de manière collégiale, j'en ça indiqué dans article 5 là pi bas. 3.4, président conseil présidentiel là accompagné de l'autre membre dans conseil là a bien pour présider conseil des ministres. Dans chapitre 2 qui concerne entrée en fonction des membres du conseil présidentiel, article 4, avant ou entrer en fonction, chaque grand membre dans conseil présidentiel là a prêté serment ça. Moins juré devant bon Dieu et devant nation hein, pour m'observer fidèlement constitution et loi dans la République là, pour me respecter et puis faire respecter droit peuple haïtien hein, pour me travailler à la grandeur de la patrie, pour me kembe indépendance nationale et intégrité territoire. Article 4 là, organisation conseil présidentiel là, non là dans le chapitre 4 article 5, conseil présidentiel là a organisé conseil guerrier. 1. A gagné la présidence du conseil présidentiel. 2. A gagné des cabinets sectoriels dans conseil là, c'est des conseillers présidents qui a gagné pour coordonner cabinet sectoriel ça et qui a réparti en fonction des 6 grands chantiers suivants. Premier chantier là, ça n'est secteur, c'est sécurité. Deuxième chantier, c'est élection. Troisième chantier, c'est réforme constitutionnelle. Quatrième chantier, c'est conférence nationale souveraine. Cinquième chantier, c'est redressement économique. Et puis, sixième chantier, c'est relèvement social et humanitaire. Article 5.1, après aller rapide, qui traite mission CPA, il dit, mission et mode de fonctionnement cabinet sectoriel, ça y est, dans le conseil là, il a défini par un arrêté du conseil présidentiel qui prend en conseil des ministres. Dans le chapitre 5 là, qui concerne l'attribution conseil présidentiel là, article 6, conseil présidentiel là a bien pour veiller et au respect et à l'exécution constitution hein, dans tout article applicable yo pendant période spécifique transition hein, et respect également loi république yo. La bien pour lever à la stabilité des institutions et puis assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Et puis article 6.1, conseil présidentiel là, la bien pour choisir chef gouvernement et puis premier ministre là de conseil avec conseil présidentiel là. Et puis installation. Malheureusement CARICOM ne dit pas qu'on y a. CARICOM te fait de nouvelles exigences guerrières. Il te mandé pour monsieur Damio à la réunion entre eux et puis il baillon un devoir de maison. Qui ça devoir de maison en terre guerrière? Dans exigence que comme te fait membre qui désigné pour le conseil présidentiel là. Il te dit faut que monsieur Damio alchita ensemble pour élaborer des critères, des mécanismes pour connaître comment il a choisi un monde qui va présider conseil présidentiel là. 2. Comment il a choisi
premier ministre là Jean Saté écrit noir sur blanc dans aide mémoire CARICOM là toi comment il a procédé pour la formation du gouvernement et dans exigence même il était question pour gagner un cadre ou bien un document cadre qui régit souvelé le fonctionnement du conseil présidentiel bien que un peu plus tard tu avais gagné des groupes qui te viennent plaider en faveur d'un accord politique etc qui t'avais ajouté à ensemble de documents ça effectivement après un paquet de rencontres gagné qui a avorté gagné qui pas porté fui gagné tout qui pas arrivé fait entre différents membres désignés yo yo t'apprale finalement Antonio Guerrier sous ensemble d'éléments et puis rédiger des documents acheminés par CARICOM et c'est à ce moment-là yo fin croisé bravo yaptan qui ça CARICOM braise et si vous regardez mercredi 27 qui s'est passé là monsieur Damio publié ou bien rendre public premier communiqué yo côté a dit yo conscient par rapport à gravité situation hein? Et mais qui ça yo fait yo élaborer des critères des mécanismes pour le choix et patati patata yo prend engagement une fois que yo installé mais qui ça yo pral le faire et yo a travaillé là sous un document qui capable considérer comme un protocole d'accord etc en différentes parties on sait de bagarre du genre. Mais parlant de communiquer guerrier, ben nous toi attirer attention mon CPO sur ça. Deux derniers documents rendus publics là ou bien deux documents rendus publics yo, nous est tout carrément yo metté conseil présidentiel. C'est comme pour dire que conseil présidentiel là son bagarre qui fait déjà. Et n'a dit mon yo, il n'y a pas encore de conseil présidentiel. Faut clair. Et si processus la campé là, l'histoire a retenu tes bon tentative yes. pour te mettre en place un conseil présidentiel qui échoué ou bien qui pas abouti mais l'histoire pas retenu tes bon conseil présidentiel là c'est moi tout document mon a signé là il mettait carrément conseil présidentiel ouais. bon. Donc c'est une structure jeune de dit tout à l'heure qui est en gestation son projet qui est en cours de matérialisation ouais. Donc attention il n'y a pas encore de conseil présidentiel j'aime moi il dit conseil présidentiel prend engagement pour changer la vie, pour faire une équipe bagaille. Attention! Et ça, il faut regarder mon avis qui a des préoccupations sous communiqué qui a été sorti dernièrement pour dire à qui titre, qui légitimité, qui cadre légal, etc. Pourquoi vous conseil? Et moi, il y a des gens qui prennent un piège là, et même nous autres journalistes, nous prenons un piège là, nous parlons de structure là, nous parlons de conseil présidentiel. Attention! Il n'y a pas encore de conseil présidentiel. Ok? Nous avons un projet. OK, nous peut-être franchi plusieurs étapes importantes dans cadre réalisation projet. Mais pour parler de conseil présidentiel guerrier, faut un yo rive nommer membre qui désigné yo yeah. et deux faut que yo rive installer et puis prendre fonction officiellement. Claire. Pas avant ça au fait, nous pouvons parler de conseil présidentiel. Nous pouvons parler des membres qui désignés pour le conseil présidentiel. Nous pouvons parler d'une structure qui est en gestation. Nous avons parlé d'un projet qui est en cours, mais jusqu'à minute, moi-même avec nous avons parlé. Présidentiel. Mais maintenant, CARICOM a annoncé qu'il a acheminé tout le nom ensemble avec des documents soulevés by Dr. Ariel Henry, Jean Saté prévoit qu'il est même bien pour le présider au Conseil des ministres. Et qu'au terme de ce conseil des ministres, t'apprends gagner on va arrêter que sorti pour nommer différents membres du conseil là et puis publier dans les colonnes du journal Le Moniteur etc. Bien que y ait des monde qui pas couet dans des machins qui carrément est opposé avec l'idée pour ce gouvernement démissionnaire là qui nommer autorité hiérarchique ou bien qui nomme conseil présidentiel là tout carrément, mais à ce qu'il paraît, la majorité a tranché et CARICOM voulait le Ariel Henry quand même. C'est ça que faut depuis vendredi, information de l'étape circulée pour dire dans vendredi soir, conseil des ministres l'a fait, il a statué sous question CPA, il a publié non ou bien il a nommé et d'ici cette semaine, soit ce lundi ou bien mardi, conseil là t'es doué nommé t'es doué installé guerrier de Dieu.
Mais information qui vient évoluer dans toute sa table du guerrier fait nous comprendre que si avant de parler de conseil là qui dans l'impasse, eh bien aujourd'hui c'est la nomination et l'installation du conseil qui dans l'impasse. Pour qui ça? Jusqu'à vendredi, comment se porte le conseil présidentiel? Qui ça qui gagne comme évolution? Est-ce que le conseil là a privé installé, etc. Dans fin mise en contexte, m'a dit non pour qui ça moi-même personnellement moi attaché avec question ça, mais loin de toute l'idée pour me rentrer dans une démarche pour me faire promotion pour conseil présidentiel CARICOM. D'ailleurs, nous connaissons position personnellement sous ça. Semaine dernière, nous avons eu une chance de recevoir dans l'espace là le professeur Jacques Ted Syndic de l'accord Montana. Il t'a fait un point qui t'a attiré attention nous en pile. Monsieur Syndic t'es voyé jeter l'idée qui fait quoi que c'est la CARICOM qui maître du jeu, c'est-à-dire c'est CARICOM qui a dicté l'oali dans quatre processus qui t'a doué abouti à la mise en place du conseil présidentiel. Elle t'est même allé plus loin pour dire que son mauvaise perception l'a fait moun yo croire que haïtien yo pas 40 ans yo et que c'est blanc qui a décidé qui ça doit faire, qui ça qui pour faire. Nous peut-être concéder ça effectivement parce que on bagaille comme ça qui a jamais à tort ou à raison en d'un pays notamment sur plan politique pour dire un ensemble de décisions d'autres politiques qui prend c'est pas haïtien yo véritablement qui prend yo, mais c'est plutôt des tuteurs internationaux et c'est des décisions qui prend au niveau d'une série de grandes ambassades parmi les ambassades des États-Unis en Haïti. Cependant, entre la perception et données qui disponibles, vous venez rendre compte un monde qui ouel comme ça pas forcément gain tort. En garde dans dossier qui concernait même question conseil présidentiel là. Sous garde données disponibles, si vous gardez évolution qui gagne dans processus là ou apprend nous à l'évidence que haïtien yo pas forcément qui contrôle ça qu'a fait yo même si yo pas vle d'accord ça mais véritable moun qui ka dit qu'il est là jou qu'il est là fait noir qu'il est pour avancer qu'il est pour faire back dans quatre processus qui en branle dans la guerrier de seul li rele la CARICOM et me toujours dit ça c'est dommage que nous autres comme journalistes nous obligés à répéter un bagage comme ça mais c'est une réalité. En font remonter un petit peu le temps. Le conseil là fin constitué avec les 9 membres désignés guerriers. Nous te vin là, nous te dit mais qui sa prochaine étape yo à pied. Et même au niveau de structure ça qui en gestation, hein, mon yo te passé tout de suite après c'est après la nomination puisque mon yo te dit nous pas capable passer sur un dossier comme ça, nous pas capable quitter le passé inaperçu. Matière nous pas faire de lire un sujet ou bien c'est pas le principal point dans l'introduction journal là. Cependant, nous gagnons 3 bagages importants n'a dit mon autour de dossier FNEA. Pour ba n'a dit yo, guerrier du seul c'est que tout ça que t'as dit yo que nous considérer comme scandale de corruption qui t'a gagné en dans institution qui est le FNEA, l'unité de lutte contre la corruption ULCC considéré comme des dénonciations. Ça veut dire qui ça madame monsieur, ça veut dire dans moment moins ak nous a parlé là ULCC est en saisie du dossier FNEA. Cette semaine ta doué gagner yon enquête qui lancé qui l'ouvrit notamment sur la gestion de directeur général actuel là n'a parlé de monsieur Jean-Ronald Joseph puisque nous connaissons des débats qui dit ou parler de salaire mirobolant que ce soit DGA ou bien de l'autre monde qui dans bureau DGA lui-même l'état a touché. Yo parlé d'une série de monde qui touché mais c'est pas là le problème, c'est des monde qui touché
mais qui pas vinn travail ou pas fokin travail pour cob là yo parler tout des contrats qui signé avec des moun yo regarder ça dit dans contrat avec ça moun yo fait comme travail là c'est la nuit avec la journée donc bon enquête qu'a lancé semaine ça s'il balance jodi a connaissé demain et c'est ULCC même qui a l'ouvrir enquête ça pour aller regarder qui ça qui vérité dans tout ça qu'a dit sur réseau social yo parce que bon bah pour comprendre guerrier même si réseau social yo moun yo permet yo di ça yo vle mais en pile fois la fumée va sortir sans dit fait bon bagaille quand même peut-être qu'il doit pas ça il a présenté il a imposé non mais quand même bon bagaille donc ULCC décidé pour aller regarder qui ça va aller là ça c'est premier bagaille moi devrais partager avec nous matin deuxième bagay moi voulais partager avec nous plusieurs fois gagne monde dans diaspora notamment qui toujours demander pour qui ça nous pas mettre focus sur qui ça qui régler avec 1,50$ monsieur dame tête sans cheveux t'es initié en un pays pour prendre sur transfert international yo et ont annoncé que l'agence va aller directement dans l'éducation donc en pile diaspora, en pile monde en diaspora, t'es vle qu'on ait et jusqu'à minute ça, souhaité qu'on ait qui ça qui réglé avec 1,50$ dans guerrier. Et bien deuxième bah m'a dit mon matin c'est que gagne yon enquête qui en cours au niveau de l'ULCC sur question de 1,50$ là et n'a pas trop longtemps t'as de bon rapport qui rend public pour qu'on ait qui ça fait à 1,50$ là, est-ce que il y a des détournements, est-ce que il y a gagote, est-ce que il y a gabji, qui ça qui régler véritablement à comme ça yo, yo te prend sous diaspora, yo continue à prendre sous monde qui dans diaspora qui veut transfert vers Haïti. Yo. Et troisième élément, guerrier moi voulais partager avec nous. Moi pas prendre intimidation ou bien prendre provocation pour mal parler dans dossier que m'pas forcément maîtriser guerrier. M'a dit mon yo que parallèlement avec travail ULCC, nous autres nous gagnons si travail pas nous n'a fait pour nous capable gagner de bons éléments dans nous et au moment opportun guerrier n'a venir là n'a dit mon yo mais qui ça nous joigne n'a venir là n'a dit la république mais qui ça vérité a selon nous mêmes mais qui ça l'évangile là selon nous mêmes mais pour l'instant nous contenter pour nous partager avec mon yo trois éléments importants ça premièrement l'ULCC déjà saisi le dossier FNEA ce lundi ou bien demain mardi à une enquête qui a lancé selon information nous disposée et sous notamment gestion actuelle directeur général FNUR Jean-Ronald Joseph deuxièmement tu déjà une enquête qui est en cours sur question FNUR concernant $50 que tu te prend ou bien y a prend sous transfert international yo l'agent diaspora envoyé Haïti et troisièmement guerrier nous autres nous qui prendre toute disposition pour côté par nous pour nous fouiller pour nous chercher qu'on est qui ça qui vérité dans tout ça qu'a dit yo. Nous suivons moins de près, nous connaissons depuis son dossier qui a rapport avec dénonciation corruption, moins prend à cœur. Vous comprenez? Donc depuis week-end, nous avons mis mon travail, nous avons parlé à moun pour nous parler, nous avons cherché des documents et nous devons gagner. Et puis après ça, au moins, nous avons venu là pour nous dire, moun qui remène, qui habitue à Tandène, qui prend plaisir à Tandène, mais qui ça nous gagne sous dossier FNU à guerrier. Ouais. Non, parce que c'est ça. Donc, Naptan, moi, ouais, un document qui a circulé, même pas vérifié l'authenticité, lorsque effectivement il sorti dans la FNE, à savoir une note de clarification, d'explication. Donc, probablement dans un cadre de travail d'enquête, trois faire. Donc, je suis sûr qu'il va chercher une version. Et directeur général de la FNEA pour qu'on ait qui ça, ça y est, ouais, parce que ce n'est pas seulement il y a un sac à circuler ou bien de l'autre document, donc il faut regarder tout par rapport à loi, par rapport à contrat, qui ça a été exactement. Donc, c'est mon rap guettant pour jouer une explication nécessaire là, et également ULCC qui même après le gain pour.